t'as vu ce que je me farcissais. André Manoukian balance sur la relation de Sinclair avec une célèbre actrice. Les confidences d'André Manoukian à propos de la relation entre son ami Sinclair et une célèbre actrice française ont créé un gros malaise sur le plateau de Je t'aime, etc. Personne sur le plateau de l'émission n'était au courant de cette idylle. Les moments off de Je t'aime, etc., l'émission de Daphné Burki sur France 2, sont savoureux. Mardi 22 janvier, le jeune chroniqueur Stan Guzman a révélé l'un d'eux qui a mis André Manoukian dans l'embarras. L'ancien juré de Nouvelle Star a beaucoup d'amis célèbres. Parmi eux, il y a par exemple Sinclair, avec qui il jugeait les jeunes talents sur D8. L'ex de Liane Folly a raconté une anecdote salace concernant le chanteur de Si c'est bon comme ça et une célèbre actrice française. C'est lors de la diffusion du tube d'Edith Piaf, Non, je ne regrette rien, qu'André Manoukian s'est laissé aller à la Confidence en voyant s'afficher sur l'écran géant du plateau une photo de Marion Cotillard sous les traits de la chanteuse. Le pianiste a bien vite regretté ce qu'il allait dire, là c'est Marion Cotillard. Et mon pote Sinclair, à l'époque il vivait avec elle, il me disait, t'as vu ce que je me farcissais. Cette petite phrase a créé un gros malaise sur le plateau de Je t'aime, etc. Si les mots de Sinclair feront certainement très plaisir à la compagne de Guillaume Canet, c'est pour une autre raison qu'André Manoukian s'est fait sermonner. Car personne sur le plateau ne savait que Marion Cotillard et Sinclair étaient des ex. Daphné Burki a repris son chroniqueur, on ne le savait pas. Ah non, tu ne peux pas le dire ça. Ce dernier était stupéfait d'apprendre à ses collègues de l'émission cette idylle entre le chanteur et la comédienne.